Moi, c'est Louise Andry. Je suis la pianiste du groupe Aishinka. Aishinka, c'est un projet où nous sommes 7 musiciens, dont 3 voix, un saxophone, contrebasse, batterie et piano. Et on reprend des chants traditionnels bulgares et principalement des chants du mystère des voix bulgares. Moi, je m'appelle Emmanuelle Duvillard. Je suis chanteuse dans Aishinka. Mais moi, je suis basée à Lyon, mais j'ai rencontré Louise à Bruxelles quand j'ai fait mes études là-bas. Déjà, c'est avant tout basé sur de la polyphonie. C'est-à-dire, polyphonie, c'est plus qu'une voix, des voix différentes qui chantent ensemble. Dans ce cas-là, on est 3, donc 3 voix féminines. C'est basé en fait sur des airs traditionnels qui sont réarrangés par des musiciens bulgares contemporains et réarrangés une deuxième fois par Louise en mettant des plages d'improvisation, des carrières rythmiques un peu différentes et des secondes voix, des troisièmes voix, des quatrièmes voix. C'est un peu une musique de paysage. On passe par plein d'ambiances différentes. Il y a des ambiances calmes, introspectives et des ambiances beaucoup plus festives, comme un peu ce qu'on peut retrouver, j'imagine, dans les villages en Bulgarie, que ce soit aux fêtes de village ou que ce soit en contemplant des paysages. Ça fait quand même longtemps que le groupe existe, ça fait, je pense, 5 ans. Ça a commencé au conservatoire, donc on s'est tous rencontrés là. Et en fait, j'avais un examen, faire un concert de 20 minutes. Et du coup, on a repris une suite bulgare que Emmanuel m'a fait découvrir. Puis en fait, on s'est trop bien entendu. C'était trop long, ouais. Juste musicalement, amicalement. Et du coup, on a continué. Il y a Emmanuel qui habite à Lyon, il y a Claire, chanteuse aussi, qui habite au Luxembourg. Et alors après, pour le reste, on est tous à Bruxelles. Et donc, en fait, les répètes, c'est simple, on ne répète pas, je pense. En tout cas, là, aujourd'hui, on n'a pas pu, vraiment. On a profité du soundcheck pour revoir des morceaux. Mais on répète quand c'est possible, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'avec les trains et tout ça, il faut s'organiser. Mais au final, c'est pas grave parce que c'est. Du coup, on fait ça comme ça et c'est. Voilà, on s'amuse bien et ça marche. En fait, moi j'ai grandi dans cet univers-là. En France, c'était assez populaire dans les années 70, donc mes parents en ont énormément écouté. Moi j'ai un peu baigné là-dedans avec mes sœurs et c'est de là que me vient un peu cette passion aussi pour la polyphonie.
Et par la suite, à peu près à l'âge de 15 ans, j'ai eu un trio de chants bulgares. Et on a beaucoup joué, etc. Et donc cet ami dont Louise parlait, Louise Barban, lui, il était vraiment un grand spécialiste. Et donc il nous a vraiment fait beaucoup travailler sur la prononciation, sur les timbres, sur les ornements, tout ce qui fait la richesse de cette musique-là. En tout cas, pour les chanteuses, c'est un sacré boulot. Et elles font vachement bien le boulot. Après, je pense que toutes les trois, on a l'habitude de chanter en polyphonie. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà l'habitude de faire. On a des automatismes d'écoute vraiment à 300% pour pouvoir se caler. Au niveau du timbre aussi, on a pas mal fait de recherches là-dessus. Donc oui, c'est un gros boulot, mais je pense qu'on l'avait déjà fait pas mal en amont. Ce qui fait que quand on s'est retrouvés toutes les trois, ça a été finalement assez vite. Enfin enregistrer un album, il est vraiment vraiment temps, normalement fin d'année ou début de l'année prochaine. Et donc voilà, le but là c'est vraiment ça, c'est sortir l'album, parce que ça fait maintenant 5 ans qu'on joue ce répertoire là, moi perso je m'en lasse pas, mais bon voilà, on a envie de le clôturer dans un album et alors pouvoir recommencer un nouveau répertoire et évidemment faire des tournées. Ben, en fait on a déjà fait beaucoup de concerts assez espacé comme ça, mais au final on en a fait plein, même en Espagne, à Rome aussi, parce qu'on avait remporté le B-Jazz International Contest en 2019, et grâce à ça on a pu jouer là-bas, donc à l'étranger. Ah oui, on a aussi remporté le prix de Maastricht Jazz Award 2020, ouais. Oui, c'est ça, juste avant le Covid, et on devait normalement avoir des concerts qui ont été évidemment annulés, donc voilà. On n'est pas allé en Bulgarie encore. Bah, je pense que ça peut arriver un jour, ouais. D'office. Je
y a encore tellement de choses à explorer dans les chants bulgares qu'en fait on pourrait passer notre vie à faire ça. Mais voilà, je pense que je vais, moi en tout cas, me laisser inspirer par essayer de découvrir des nouveaux chants traditionnels d'autres pays et voir ce qui m'inspire le plus. Oui, donc à la base, je reprends donc ces chants et c'est moi qui arrange à la maison. Et puis après, j'amène ça au groupe et puis tout le monde apporte sa touche et puis on crée ensemble aussi. Mais en fait, ça se fait hyper naturellement. Donc j'entends le groupe déjà à l'avance et j'entends comment ça peut sonner. Et en fait, j'arrive avec les partitions et ça sonne directement comme ça. En fait, c'est vraiment super naturel entre nous. C'est magique. À la base, c'est vraiment une histoire d'amitié, ce groupe. Et même si on ne se voit pas souvent, dès qu'on se voit, c'est intact. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la force de nos prestations scéniques. C'est qu'on est vraiment très heureux d'être ensemble. Je pense qu'on est tous des enfants à l'intérieur. C'est ça qui fait qu'on s'entend bien aussi.